22 juin 2024, dossier chaud, peuple haïtien. Politicien avec oligarque qui a détruit Haïti depuis plus passé 30 l'année. Est-ce que nous tous qui là, captant dem là dans moment jodi à la Paris pour ça m'a dit nous là. Tendez bien oui. Yo déjà fait appel. Et c'est un mot d'ordre, c'est un ultimatum qui yo passé avec les oligarques corrompus et la classe politique traditionnelle haïtienne. France LB prend la dedans. Qui ça que lié? Yo relé tout nèg qui yo sanctionné en Haïti yo. Tendez bien oui, nous connait qui est-ce qui sanctionné yo. Yo relé yo. Yo dit yo clairement quitter Gary Koni travail. Puis personne fait des ordres devant Gary Koni en bas. Sinon, il y a pas arrêté. Pas un politicien, pas un homme d'affaires qui a financé une manifestation contre Gary Koni en bas. C'est ça me joigne. M'obligé de dire non li. Causer en pile, puis elle a fini. Tendez bien. Docteur Gary Koni a annoncé la couleur. Mais c'est en pile bagaille oui, pour qu'elle me saute pour lui oui. Voilà font idée non. Tendez non. Bon, même parler plus fort, me dit comme ça que si toutefois, nous avons un numéro de famille, nous avons un famille conseil là, parce que le monde m'a regardé derrière lui, c'est sécurité haïtienne, et qu'on est, nous qui derrière lui, sans avec, semblé avec, nous qui derrière le président Jovenel Moïse, je me dis, est-ce que docteur Gary Koni, pas ta, pour un 50, un 50 et, un 50 étranger, mélange avec blanc, avec noyau, au bon moment, un 50 étranger, mettez derrière black yo qui derrière là. Parce qu'on connaît, faut nous plus ou moins et mixer ba yo, nous mixer yo pour nous protéger la vie. Nous obligé mettre en pile l'autre vie qui parle l'autre langue, bah connaît non moi même en pile l'autre nation, comprenez-moi? Ça veut dire que Gary Koni dit clairement, il pral couper depuis ces chèques zombies qui en dans l'état. Qui sort qu'on aime joindre moi même dans info beto. Est-ce qu'on connaît yo femme connaît que après que président Jovenel Moïse t'a coupé 23 000 chèques zombies en dans l'état? Après que fin tout le président, dans Ariel là seulement, il y a plus passé 48 000 chèques zombies. Il y a plus passé 48 000 chèques zombies pendant 30 derniers mois. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit nous là? Il y a plus passé 48 000 chèques zombies. Moun qui va venir travailler dans l'État. Yo en pile. Mais docteur Gary Koni, monsieur annoncé la couleur. Bon, me fait nous tendre. Ah, déjà, m'apprenne moins compte. Ah, le pays. Mais moi, je bon parler, oui. Pas pressé. Et moi, je bon parler. Ou pas bien peur. Et moi, je bon parler. Et des fois, je bon parler. Ou pas parler. Pas bien pressé. Et moi, je bon parler, papa. Et. Allez, oui. Voilà. Je vais mettre PM dans son écran. Et moi, je bon parler. Je vais parler trop rapide. Et là, monsieur, jeune garçon, oui. Et 12 ans de cela. 12 ans de cela. Monsieur, en santé. C'est un petit genre en forme, oui. 12 ans de cela. En tant que docteur Koni, tendez ça, le dit non. Bataille contre la corruption. Et m'a dit non, Bill Kozé, oui. Tendez non. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus, a pas le cas arrêté. Sénateur l'a arrêté pour le temps mal pour prison. Même côté avec Yon Yon. Si ça m'attendait là, c'est la vérité, oui. Mais m'a dit non, ça très bien. Et pour moun qui dit que alors sénateur Sénatus est coupable, m'a voulu nous dire comme ça. Et nous prenons le temps comme ça, nous prenons laisser frontière aller sous dossier. Parce que nous prenons le fort tendre, et sénateur Sénatus, et nous prenons le fort tendre dans l'autre son de cloche tout. Parce qu'ils ont été parlé avec des gens pendant qu'ils étaient en prison. Et nous prenons le connaître qui s'est passé. Ils ont une haine contre sénateur Sénatus. Est-ce que c'est pas la raison ça qui cause Yon et elle mettait non sénateur Sénatus dans la bouche devant un juge fédéral aux États-Unis d'Amérique? Je ne pas dit qu'il n'a pas essayé de protéger sénateur là. Mais de fait, nous pas qu'à tout prendre pour l'évangile, ça gagne dans dia. Mais quelque part, tout capable de dire, pour qui ça dans tout le monde qui est dans le pays, c'est seul sénateur qui est cité comme ne qui te bal commencé par les âmes en 2014. Bien que, l'autre nom qui est au bayo, m'bap dis nous ça a fait avec yo. M'bap contre trop bagay, et m'bap dis trop kichoy. Mais entre temps, bam fouye même côté m'karrivé pour le moment. Hier, qui était 21, installation, nouveau directeur général de la police là, qui s'est nommé le Ramo Fête. Et Ramo parle, en pile causé, et discuté dans le moment ça. Gagne le ministre justice là, qui parle causé tout, qui annonce la couleur. Gagne le premier ministre là, qui dit causé. Et chef de la police par la suite, lui parle, et nous allons faire notre entendre par la suite. Et nous avons plein. Nommé Ramo, te gen papa, qui tape dormi la caille, papa, la caille li.
Yo levé le matin, yo papa pa anda kailan. Le al gade, yo jeune papa. Là, yon réservoir de l'eau. Non, mais il y a moté il y a ça. Yon homicide. Et de CPJ te commencé, mais nous enquête sur l'OCA. Est-ce que le te abouti? Qui est-ce qui te monté Fantôme 609? Franz LB, Calandre Boucher, Marius Gauthier. N'a pas tourné sous ça tout à l'heure, depuis sous Nomil Rameau. En avance. Et Nomil Rameau a raison, et qu'il pas baille la main avec Franz LB en public. Oui, il va pas croiser dans le couloir. Oui, il tape toujours chez ta même côté. Mais pour grand public là, faut que Nomil Rameau te montre Franz LB que même si nous croisons dedans, nous capable parler dans mitan l'autre autorité yo, mais nous pas amis. Nous pas jamais amis. Nous prenons le temps de tout d'abord, déclaration pour le ministre l'en fait, côté que monsieur annoncé la colère. Et m'a dit non, t'assemblé, oui, même je commandant qui Philippe dit, nous arrivons à influencer Dr. Gary Kony. Gary Kony, à l'appareil, papa ici, tendez avec un peu l'intérêt. Dis nous là, déjà, m'apprenons en compte que jusqu'à 30% de personnel l'État a touché l'État, comme l'État, et pourtant, il n'y a pas en fonction, il n'y a pas là. Ça, c'est des bagages que nous avons obligé de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Attendez, oui. Jusqu'à 30% personnel de l'État. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans l'État, qui touchent comme l'État, ils ne travaillent pas là. Quand vous êtes à l'étranger, qui est-ce qu'on est mettre vous? Politicien, docteur Gary Kony, quel que soit nègre qui tente à faire une manifestation par en bas, dis-nous. Nous craser ceinture dans Port-au-Prince, quel que soit monde qui prend la rue, faut craser zo mal propre yo. Parce que on s'est passé oligarque là gon gens qui fonctionne, politicien gon gens qui fonctionne. Depuis le perdit zo par là, li gon 10 comme on 1 million de gouttes qu'il lagué atteint dans ghetto et pour mon a sorti, j'appé rap a j'appé dans la rue. Moun sa ou doit kembe yo ou craser bouda yo net à coup de bâton. Il faut nous interdire ça. Nous doit gagner yon dirigeant qui gè caractère. Nous devons gagner un chef qui a autorité. Mais docteur Gary Kony, ou pral gen légitimité populaire là, c'est à travers action ça yo qu'on pral poser ya. N'a campé d'ailleurs, n'a supporté ou et n'a bon pouvoir réel là pour qu'on prenne décision ça yo. Dès vous décidez faire, on sorti grand et on c'est petit docteur Kony. Moi même pour qu'on parle ensemble avec vous. Même pas de problème non plus pour me parler ensemble avec vous. Dès vous souffre un bagage sérieux. N'a pas campé d'ailleurs, n'a pas supporté, n'a pas accompagné. Parce que, faut qu'Haïti saute dans sa culture là. Commandant Guy Philippe, m'a prêté parole. N'a pas gardé comment pour nous avoir influencé docteur Gary Kony. Pour nous faire payer ça, pour nous faire mettre l'État sur un rail. Mettons base, intégrer la diaspora haïtienne dans affaires internes politiques pays. Et parce que Gary Kony sont figures de la diaspora. Plus passé 12 ans de pour pas rentrer dans le pays d'Haïti, ça veut dire que ou c'est un haïtien vivant à l'étranger ou capable gagne l'autre passeport, ça va déranger du tout parce que nous dit tout haïtien qui gagne passeport étranger yo doit gagne droit de vote yo en dans pays ya. Ça pour comprendre avant comprendre docteur Kony à l'appareil peuple haïtien en entendant des gros bout de toto causé ça yo. Et de manière stratégique mi second langage pour moi-même il pas frappe au fort mais la PC sié béré pour le ca foutre coup dedans. Ça dit ça son un bistouri tête chargé docteur Kony en avancé. Déjà, m'apprends moins compte que jusqu'à 30% de personnel l'État a touché l'État comme l'État et pourtant il n'y a pas en fonction, il n'y a pas là. Ça, c'est des bagages que nous avons obligé de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je dis que déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Attendez, oui. Nous engageons, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Nous avons dit là déjà que nous allons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration, mettre le système en place pour collecter l'argent qui n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est une disposition, nous allons prendre tout de suite. Technicien qui derrière nous dit que conseil de cadre légal qui déjà tout paré et qui entre en mesure très rapidement, nous allons prendre mesure pour sa fête le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous allons prendre disposition pour nous adresser problème et purement payroll dans l'administration.
Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça, c'est des bagailles que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous allons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et là, en cas de préparation, ça, on a invité la société civile là pour le bail opinion, pour jouer Wally, pour faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour. Attendez, oui, PM. Ou di ap invité société civile là pour yo et réfléchir sur ça pour porter contribution pa yo sur ça. Qui société civile garçon? N'ap dou sou a fait la route, fait cavalier seul et puis peuple a pas accompagné. Aussi simple que ça. Depuis al temps de al fouiller moun sa là-dedans, yo pral rentrer dans quatre dialogue négociation qui va déboucher sur négociation qui va déboucher sur partage gâteau qui va mando quitter tout intérêt là tout avantage là pour négo fonctionner. Tout ça yo là yo. Si que ou pas continuer sous même lancer ça ou al nan fouye l'autre moun là-dedans y a déroute catégoriquement et ou après que c'est normal pour dérouter ou après que son en danger ou t'a fouye tête tout et ou après rentrer dans corruption en tout parce qu'il y a fouye là-dedans sans pas rendre compte y a fouye là-dedans sans pas rendre compte même vle que réforme yo fait dans l'état et me senti que ou a pas des réformes là maintenant bien que tout moun konn comment vini mais naturellement j'en vini hein. Ou capot ton bagay parce que c'est haïtien. Sous monde toujours. En avance. Docteur Koni, peut pas haïtien. Si pas gen droit faire ça, ça son disposition, nous prenons tout de suite. Technicien qui derrière nous dit que conseiller de cadre légal qui déjà tout paré, qui a entré en mesure très rapidement, nous allons prendre mesure pour sa fête le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous allons prendre disposition pour nous adresser problème et purement payroll dans l'administration. Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça, c'est des bagailles que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous allons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et là, en cas de préparation, ça, on a invité la société civile là pour le bail opinion, pour le jouer Wally, pour le faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. Et nous allons développer une cartographie ou matrice nationale des risques et des actions ciblées pour mitiguer selon le niveau d'impact et de vulnérabilité. Ça avait dit que la PC comprenne côté gain plus gros risque de corruption, côté nous gain plus habitude gain problème pour nous mettre en place une série de dispositions pour ça pas fait encore. Bon, c'est que c'est déjà un premier pas significatif pour lancer un signal très très clair que ça fait partie du bail que nous allons approcher de manière très déterminée. Déjà, ça me content, ouais, je dis, c'est que j'ai des techniciens très, très avisés qui font un travail remarquable. Et si j'ai l'appui et la capacité qu'il le faut, je n'ai aucun doute qu'il y a livré ça et doit livrer. Moi, je viens dans la discussion, je me suis fait à l'heure, un engagement sans fort pour nous combattre la question de corruption aussi loin que nous devons aller, pour qu'il y ait des gens qui tenu imputable et que finalement l'État haïtien servit le peuple haïtien. Donc, c'était un peu le contexte de discussion, ça. On a rappelé une semaine, ça. Nous passons un moment là, CEP, parce que question électorale là importante pour nous. Nous visiter le conseil électoral là, nous rencontrer staff là, nous avons commencé à prendre des dispositions pour avancer sur le dossier ça. Nous apprenons tout que nous n'avons pas avancé sur l'affaire sécurité là. Nous faisons plusieurs rencontres en ce sens. Nous mettons en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencions à la population satisfaction sur tout ça. Semaine de mai, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite. Pour réfléchir sous feuille de route, action concrète qui consistant avec accord pour Avila qui permettent nous exactement côté nous pour aller sous les grands chantiers. Mais tout aussi important pour nous, c'est que nous avons l'État qui reflète, j'aime dire la première fois, dignité peuple haïtien, conviction peuple haïtien, résilience peuple haïtien, générosité peuple haïtien. Voilà. Et c'était Dr. Gary Koni, actuel Premier ministre. Parole monsieur Louis. Déclaration monsieur Lou. Parole yo fort. Et c'est action yo qui pourra aller retirer des doutes dans tête nous. Parce que naturellement, je pense que Gary Koni, s'il parle pour le prouver nous, il va prouver nous en pile bagaille. Ou bientôt, monsieur gagne un pile doute pour le retirer dans la tête. Parce que
bataille contre la corruption en dedans pays ça, c'est bon petit combat ou autre. Son combat garçon pas camper, son combat monde qui pas peur mourir, son combat monde qui gain sens de responsabilité, son combat qui pas petit du tout. Et nous gè l'autre de l'autre point, on va continuer avec docteur Konei toujours, mais naturellement n'a prêté non dossier là qui fragile en pile, mais naturellement faut que nous parler de lui. Ça fait installation nouveau premier ministre là. Alors nouveau directeur général de la police là, li ba en pile problème. Et Gary Konei qui vient là avec Nobel Ramos aussi d'une équipe plein pouvoir, l'aime dit nous pouvoir et pouvoir gens que nous connaît au même toujours de prendre pouvoir. Force que vous avez un monde qui supporte pour arriver là. J'aime dire non. Tout nèg qui t'a volé, qui t'a fait mouvement gang dans Port-au-Prince là, que blanc sanctionné, yo pas gain droit pour yo attaquer docteur. Alors docteur Konei ni Nobel Ramos. Gardez pour eux, depuis c'est nèg ou connaît que blanc t'est sanctionné. Si ou y'a jamais osé ouvrir bouche yo pour yo attaquer Nobel Ramos ni Gary Konei. Parce que yo dit yo clairement depuis nous osé bail l'argent pour faire des mouvements craser briser et n'importe quoi cela n'a payé sa chair parce que quitter nous là c'est pas pour yo pas gain sous nous pour pas marrer nous déjà bien y a marrer nèg yo et Gary Konei selon ça que me gagne Gary Konei pral marrer en pile nèg et c'est Nobel Ramos qui marrer yo parce que vini Nobel Ramos là c'est pas n'importe bagaille gagné pouvoir et directeur général ULCC responsable ULCC qui c'est Hans Joseph monsieur pral gagné en pile moyen à la disposition parce que lutte contre la corruption li pral avancer à grand pas et son machine qui pral déraper avec toute vitesse toute bouline. Et il y a un pile nèg qui va prendre code dans quatre dossiers ça yo. Il y a c'est toute preuve dans mel. Et ça qui est plus grave là côté nèg va le faire cœur. Il y a c'est fait gon pouvoir là, fait gon pouvoir tête chargée là. Et bien à travers l'ONU tout, yo facilite monsieur j'en pile bagage dans cadre coopération. Il y a c'est gon facilité là pour identifier tout nèg avec femme qui t'a volé comme Haïti qui gagne bien à l'étranger. Que ce soit gros mach, gros machine, gros kay, gros menchen, pile bagay, pile appartement, yon ap gen kontrol li. Et ULCC, avec pays kote nek sa gen bien, yon kapab développer, et je nou entente, pou yon saisi bien. Pays ap gen pourcentage la dan, et puis pays d'Haïti ap gen yon pourcentage la dan. Yon pile nek ki pral fè ke, et l'autre semaine nan yon ap chèche on piye ve ven nan pote presto bien nan pays d'Haïti, ou yon ap pa jwenn tout. Parce que TV maintenant, je ne vais pas mentir, il va le vendre en pile. Ça veut dire que je ne vais pas l'utiliser maintenant en pile en pile. Et c'est pour bagaille qui est facile, non? C'est ça que je dis, lutte contre la corruption dans l'Haïti, c'est une lutte qui est la mort là-dedans parce qu'il y a assassin, il connaît que c'est des routes qui peuvent arriver pour vous. C'est soit qu'on quitte à fonctionner là, ou bien tout yé, ou bien on va aller en prison. Il n'y a pas choisi de faire une route ça. Seule route que vous décidez de faire, c'est route priorité là. Mais priorité là, c'est vous-même pour tout yé, priorité là. Dans ce sens, est-ce que vous même en tant que majorité, ou ap karete ou croiser bras, ou pour quitter des vagabonds de voix ou des gangs sales, criminels assassins qui sont politique, à vintou yo, parce qu'on a parlé pour payer pour payer. Non. Nous pas karete ou croiser pour nous quitter autour de nous, n'a pas obligé de marcher sous fiel yo. Parce que pour nous sauver Haïti, je dis, il faut que nous fassions tout ça que nous sommes capables pour nettoyer terrain. Nettoyer terrain comment? C'est nettoyer tout corrompu, tout voleur, tout gang. Traquer yo. Les ULCC lagé, ils ont invitation de onèg, si nous ne pouvons pas aller, doué gon 30 ou 40 000 moun ki gita debake la kale à manchette, rache pou dil, et men, ULCC ap tan nou toujours pour elle poser question. Et fok ULCC gon pouvoir pour le capable tout mette code dans branèg yo et voye yo devant tribunal directement. Fok nou renforce pouvoir ULCC, même jan, alors États-Unis genye ARS là, yo utilise toute force légale pays pour que yo mette au service yo pour capable frappe ou. Mais naturellement, fok nou renforce pouvoir ULCC. Et puis nous mettez des moyens solides à la disposition en dedans ULCC tout fok agent yo gen accès avec gros l'argent, OK, et puis gros moyens matériel solide, ça veut dire zam pour yo capable et traquer nèg pour pas frustrer tout dans affaire l'argent pour pas rentrer dans corruption parce que son institution m'a pas menti nous capable si nous voulons
si nous voulons vraiment, nous ca sauver Haïti avec institution qui est l'ULCCA. Il est très important pour qu'on connaisse ça. Et nous allons parler tout de condamnation Germaine Joly alias Yon de Katsamaozo qui a vili un sénateur Zokiki. Que m'a dit nous Zokiki sous route pour ta prendre bois calé dans mes peuples là. Ou bien pour ta monter avec les États-Unis selon ça. Alors la trajectoire que moi dossier prend. Mais m'a dit pour pays là, yon c'est pas seul. Jean-René Senatus qui lui parlait de lui. Senatus capable Senatus là, il différent par rapport avec tâche. L'autre nèg yo, raison simple. Yo parlait de sénateur Senatus qui t'ai aidé gang ça joine zam en 2014. Mais Senatus pas impliqué dans cas de kidnapping yo. Tendez bien oui, monsieur pas impliqué dans kidnapping yo. Et on paquet l'autre nèg qui mangeait dans l'agent kidnapping qui était fait sous 16 missionnaires américains plus canadiens en fait 17 missionnaires. On paquet nèg qui mangeait dans comme là et nèg ça yo yon dénoncé yo et yo gen pour prendre code. Ou après li sali pas public et DCPJ a gagné les pour DCPJ commencé marre nèg yo a marre yo et puis FBI a monté États-Unis ensemble avec yo. Il très important a extradé yo. Ça veut dire que qui te connaît que ou t'es dans gang et 400 marozoa ou t'es mangé dans l'argent kidnapping américain yo. OK? Et mais ou bien pour payer ça tôt ou tard. Pas qu'un côté cal caché ou venir États-Unis ou dans jol diablan ou au Canada ou dans bouge diablan directement ou la France ou dans bouge diablan ou la Dominicanie ou la caille petit diabla. OK? Et puis pas vous connaît au besoin. Ça veut dire exactement ça le veut dire. Et je dis à ces 22 juin 2024, m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui vous attendez nous, vous regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour que je m'assemble avec nous sur la plateforme Panoua, qui est la plateforme YouTube, la plateforme Pays Poutéan, la plateforme qui papa Chaïla, la plateforme Capdil, qui est la plateforme YouTube, Info Berto. Je m'a de nous partager, commenter, like et puis abonner, si vous pouvez abonner avec la plateforme. C'est très intéressant pour que nous partager, commenter, like et puis. Abonnez pour nous, si vous abonnez. Très intéressant. Et nous allons rentrer droit au but dans et gros et disposition que Dr. Gary Koni prend et on sait les actions qui monsieur commence à poser. Dr. Gary Koni dit avec tout ministre qui nous met dans le gouvernement là. Il dit clairement. Il interdit toute nomination dans l'administration publique là jusqu'à nouvel ordre. Li interdit toute révocation dans l'administration publique là jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire qui ça? Tout ministre ça qui là qui dégain politicien qui dévoué dans le ministère yo, ministre pas capable voler. Il pas capable comme dans même monde pour mon job. Parce que tout ministre dans gang. OK? Yo bloqué coincé yo. Ou ap nan gouvernement, ou ap ministre, ou ap geti moyen à la disposition. Mais question pour nan monte faux projet, pour qu'on pas brasser, en yon pas j'aime gré pour peuple là, mais même j'en nous te fait le soyel là, et route que moi gare koni ap pren là, me senti gè le farine nan pap koule nan même sac pou nèg yo. Baga la pi compliqué que jamais. Et nan ap tourne souli, mais maintenant, an fon kout pat nan dossier Zokiki ya ki chaud nan actualité ya, en attendant nous tourne pour l'autre point yo. Pour nous comprendre, dossier Jean-Renel Senatus là alias Jean-Renel Senatus alias Zokiki bien fok naturellement nal fouye zone kalalou et mais qui ça moi même dit penser faire et qui ça me dit penser faire c'est c'est relé Shelson ça non dans téléphone pour nous faire parler avec elle. Eh ben Shelson pas ka jwenn ni et ben il t'a fait une intervention dans radio et télé éclair et sous mes connaît tout ça qui a passé sous nèg avec femme qui dans zak pas honnête
al nan pénitencier national, al nan prison Kousseville quoi de bouc, aller au pot ko krasé. Ou ap konn tout détail, ou ap konn tout démarche, ou ap konn tout ki jan nèg yo fonctionné dans affaire gang. Yeah. Pardon. Ou ap konn ki jan tout nèg fonctionné dans affaire gang. OK? Eh bien, gagné Shelson ça non? Qui passait 10 l'année dans la prison. Je dis à cap expliquer. Nous dossier yon yon très bien. Nous pral faut tande ça ensemble avec nous parce que li extrêmement important. Effectivement ça cap passer là. Parce que dossier compliqué. En attendant de Shelson ça avec un pile intérêt en attendant nous tourner pour dossier et corruption en quantité chèque qui va le couper hein, et qui prend la position et coulève cette traite là parce que me connaît que toute la corruption et gain un pilote pour encore que nous va aborder dans l'académie ça est très intéressant en avance. Hi, bonjour. Et puis, vous avez été là maintenant. Bon, on connaît pas. Ou bon, on mangez, ou mangez. Finalement, nous prenons pour un expert en pénitentiaire. Bon, depuis que c'est un prisonnier à parler, ou cabane nous en oui. Attendez donc. Ou mangez là, ou qui s'est capable de traiter des dossiers ça? Ou tant de déclarations, yo. Bon, moi, c'est pas la première fois que je m'entendais, bon, malheureusement. Moi branché, moi tande dossier ça fait actualité. Ça fait triste en pile. Son dossier que moi même pas de parler de lui pour une raison. Mes amis tendez oui. Parce que ça nous parle tande la grave en pile. Les graves en pile et puis par la suite nous va faire nous tande Jimmy Cherizier alias barbecue parce qu'il est très intéressant pour nous tande ça yo en dans pays pour nous comprendre effectivement qui ça fait Haïti là et comment on ca sorti. Parce que sous pas chercher connaître tout ça yo ou pas ca sorti. Pour ce problème en pile. Même moun wap essayer parler de li an, c'est même moun sa ki nan zak pa lonèt la. An dade, Shelson Zano avec un pile intérêt pe ayisyen. Ok, mwen pap di. Ok. Mais mwen pa étonné de sa ki soti nan Miami Herald la. Au contraire, ça pa étonné ou? Mwen salye Miami Herald ki soti yon article kon sa ki assez important. Kap itil la justice ayisyen. Mwen pa di ancien sénateur, ancien commissaire du gouvernement, M. Jean-Renel Sénatis, les coupables, mais m'a précisé pour micro-vérité qui gagne en pile moun captain d'il en Haïti ou à l'étranger. Mm-hmm. Pendant tant que moi fait en prison, moi fais un bout de prison avec Yon, pénitentiaire. Et puis, moi viens à fond l'autre bout de temps en prison ensemble avec lui. Quoi de bouquet. Ah non, tous les deux côtés ou des plusieurs de là. Mm-hmm. Oui, et c'est un nèg que moi te kon parler ensemble avec lui, son nèg presque bal 10 ans, m'gal gen 36 ans. Et il y a un sentiment. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Non, monsieur Gros, monsieur Gros, son nèg presque bal 10 ans. Mm-hmm. Et selon ça, yon yon la jour là papa, ou bay nan mon oui. Oui, bon. Imaginez 10 ans pénitencier, c'est 10 ans faute à gang. Ah oui, ah oui, bon. Mon canal arrière avant, la police a couru de on est gouel couru bon moi collade. Non, on n'a pas le de l'âge où qu'on est figé ou on j'ai emporté l'âge là, on a avancé non. Oui. Bon, et selon ça yon c'est qu'on expliquer, c'est pas moi même non parce que son nèg qui fait pile temps à crier après condamnation li. Yon te gen tant condamné pour te passer toute ville en prison en Haïti. Oui, mais c'était condamné à vie. Oui, mais c'était condamné à perpétuité en Haïti. Après condamnation, yon crié en pile dans la prison civile quoi des Bouquets. Tandis oui. Côté que, mais c'était même les anciens sénateurs et Jean-Renel Sénatis, pendant le sénateur en fonction pour te dire, c'est lui qui mettait dans sa lier. Altéré le sénateur, hein? Oh. C'est qu'on gagne un gros bif. Donc moi-même, ma bdo ça qui est moins vif. Avec ça qui moins tendu. Comment on va parler là oui et chez zone. Moins salier le sénateur. Moins salier Miami. Moins salier Miami Herald. Donc yo pas de kon bien parler mais yo te kon parler. Ah bon. Okay? Yo pas de kon bien parler mais yo te kon parler. Ça veut dire bagarre. Et tu dis comme ça. Oui, mais yo te kon parler. Là nous parler nous on a fond discussion. OK. Nous te kon une discussion entre yo parce que après yo te fin condamné à perpétuité. Il était toujours dans problème ensemble avec sénateur et sénatrice.
qui moun qui t'a metté dans sa lié. Mais Mabdou, gen ti bagay yon kapa di dans journal là avec juge américain. Balavez nous. Yon yon te honnête avec nous dans prison comme frère prisonnier pour te dire nous qu'il te dans gang déjà mais pour qu'on gagne zame seulement. Parce que gen yon gang qui relè 117, m'a kon si gang sa krasé. 117 dans zone de dans zone Delma, Matrick Mandel il te déniche bagay sa net. 117 mafia, nous songe bagay sa. Son gang la ville. OK. Yon, la ville là. Oui. Yon c'était chauffeur moto gang ça il était kon bay guidon. Si mon tout petit. Là nous en 2010-2011 yo. C'est dans année ça yo. OK. Parce que 117 majorité membre 117 yo al nan prison 2012-2013. Mm-hmm. Ah OK. C'est dans base ça qui gagne un chef gang tout puissant qui évade dernièrement la pénitentiaire qui relait Tichinay. Il y a un bon nom de détail. Mais qui mettait dans sa lia te vin arrivé sénateur, et puis lui-même nèg ça fait ou condamné à vie pendant que tu même violé droit encore. Attendez, oui. Après, rappelez-nous, Chelson Sanon, c'était Jean-Louis dans le sénateur Salia Zoki qui était fait, nommé le rameau à l'arrêté, monsieur. Juste Guave, qu'on est capable de poser cette question. Et sénateur, j'ai une information, et il était comme s'il mettait. C'est grave. Ça veut dire, sénateur ça, c'est les mêmes qui te fait arrêter Yon. Yon dit sénateur c'était contre Balzam en 2014. Il avait dit Yon, tu as une haine contre sénateur. Et Yon, tu es en prison pour le passer devant le juge. J'ai eu un sénateur qui dit le juge en téléphone pour le dire juge. Après, il dit que tu as Yon. Le juge l'a demandé le sénateur qui sauve. Sénateur sur l'école, bal la salle, la loi mérité. Eh bien, Yon, t'es été condamné pour le passer pour toute ville dans la prison de d'Haïti. Yon dans le frustré. Est-ce que Zokiki, Gemel trempé? Bah, connaît. Mais sauf que, Chelson est intéressant, andade. Ça veut dire Yon son qui arrêté, qui condamné notre classe en tout coup, sans qu'il n'y ait pas même bail sale, t'as dit important ce travail chez Haïtien. C'est États-Unis qui a baissé la vie importante. Mais devant la justice haïtienne, nous ne pouvons jamais baisser la vie importante. Parce qu'elle était en affaire avec un gros bois. Et là, d'ailleurs, pour nous dire ça, sénateur sont gouir, dans des messieurs hier. Je dis les juges là, oui. Oui, je dis ça. Comment les juges la justice, ça, c'est une grosse cause, oui. C'est lui pour juge la traite ton dossier pour c'est d'aller relais juge là. C'est dit le pas qu'à la gueule, pas qu'à c'est juge la décider la faire. Jacques blessé. Bon maman dit où est trafic d'influence de lui. Bagaille qu'on l'a caché. Comment relais juge là. Ouais, OK, ouais ça pour relais juge même sous sénateur. Côté chasson de maison rivé là. Chasson dit que yoyon c'est un membre dans gang là pas de gazam. Qui porte qu'on gazam, yoyon était 117. Vite un petit soldat qui te compte by guidon, ça veut dire c'est nèg li côté des dollars qui te gen zam. On allez. Mais gen bon communication, gen bon rapport entre famille Yon et famille sénateur et sénatrice sur sorti même côté. Ah bon. Sénateur nèg même zone. Qui te ancien commissaire gouvernement à l'époque qui te tout puissant, qui était très populaire avec Omar Azoki. Ah oui, votre sénateur. Nous songe. Li te fait appel ensemble avec famille Yon. Côté que yon te relè yon pour lui, yon te jouen yon entente pour yon tal fonctionner ensemble. Comment jouen yon entente pour fonctionner ensemble? Non, pas comprendre. Côté que l'ite déplacé yon la ville dans gang 117, mais l'ite mette le chef gang la kaye pal en pleine. Non, t'es pas de famille lui, ou pas de famille lui, Chelson. Fon grand péché, Chelson. Non, wap. Donc, yon blague là. Ou t'y famille. Moi, j'aime ça me connaît, oui, m'a dit non. Non, wap blague, kouse wap blague yon go neg. Ou dit, gérer les familles. Famille Yon. Pour chercher une entente. C'est long. Oui, pour chercher une entente. Pour fonctionner ensemble. Comment pour fonctionner ensemble?
pour yon yon quitte gang 117 là, côté que yon pas bien traité. Pour vin fonctionner avec la roulette sénatrice. Lise chauffeur, yon pas même balzam. Ma palo baga yon yon te dit pour te koumèm à l'Etats-Unis. Oui, oui, oui. Dans prison quoi des bouquets. Tout ça m'a dit là, c'est dans prison quoi des bouquets. Oui, oui. Mais c'est pas dans pénitence parce que nous pas de compte échanger pénitence, nous pas de même côté. Mais quoi des bouquets, nous de même côté. Ok. Yeah. Il a ou dit et que famille les sénateurs sont encore avec famille. Gang là sont gang la famille qu'elle est oui. Ah bon. Oh. T'as déjà son gang la famille. Gang c'est gang la famille oui. Les vignes étrangers dans gang ça. C'est la prison quoi des bouc qui a été vinn crasé. C'est la prison quoi des bouc qui a été vinn crasé. 10 août 2014 t'es grand pile prisonnier qu'elle la donne. Avec 25 février 2020, il y a la donne qui vient de remplir de 400 marozo. Mais okay. Dans l'intérêt, il est exact. C'est vrai, ça, il y a gagné, alors qu'il y a gagné, lui, gagné. Ça, qui était basé à Kital Saint-Domingue. T'es qu'on t'y joue, David. Tige. David, Tizo. David. David. Monsieur Dédi. David. Non, non, c'est vrai. C'est soit dit à la ZVR, parce que je me souviens. Dans l'intérêt, il est exact. Il était gagné la donne, Zo. Il était gagné la donne, Zo. L'ité gagné là dans li Abraham. L'ité gagné là dans li Abraham. L'ité gagné là dans li Edison, c'est bon nom c'est Augustin Morel. L'ité gagné là dans li Jean Rocky. Gang là te Texas, li pote ko jambe 400 marozo. Ça veut dire les gang ça te vinn monter, c'est long yon yon. Ou sénateur pas dit c'est moi qui a bagay. Parce Que même c'est pas qui a parlé dans la prison. Selon yon, sénateur a demandé yon pour lui te mettre gang sa campé dans pleinement pour lui. Mais c'est pas dans l'idée pour te alcasser à faire moun pour voler à faire moun. Sénateur a qui mandé yon pour lui mettre yon groupe en groupe campé avec gang même à mes élections. Lui te amé yon. Tendez, moi je m'bable dit. Moi je m'bable dit ça qui m'bat tendé. M'a dit ça qui m'bat tendé. Ça qui m'bat tendé. Dis nous. Sénateur a été entendu avec lui pour lui te mettre équipe sa campé en plein non, c'est pas de pour voler. OK? Pour élection. C'est pas de pour voler, mais c'était pour te bailler sénateur en service avec équipe sénateur en service à chaque fois qu'il y a élection. À condition, très bien. N'importe candidat à la présidence te mettre venir en plein non, depuis c'est pas avec sénateur venir gang n'en pas connait et gain côté tout lui pas capable battre à faire. Est-ce que c'est comme ça que Zamgal Vicral va venir tomber dans main yon? C'était comme bien avancé là, on m'aide me comprendre bah là. On allez. Dis-nous. C'était comme ça yon t'a pral commencer avec yon fusil calibre 12 avec deux pistolets calibre 9 mm. Il va dire qu'est-ce qui te balil? C'était Zam Samdou li dit sénateur, sénatrice qui était candidat, qui t'a pral candidat à l'époque te bali. L'elle te mettait l'en plein, c'est mettait le camp en plein non. C'est Samdou oui. Ça va me dire là. L'elle te mettait au camp, l'elle te mettait au camp, Samdou te gagné. Jermine Joly alias Yon, te gen Jean Rocky, te gen Augustin Morel alias Edison, te gen te gen Zo, David vient après. Ça que t'as parlé David vient après. OK. Tu viens après. Sont ces gang très minime. Très minime. OK. Yo te gen en face yon l'autre gang qui sont l'autre gang familial encore qui relait 17 euros. 17 euros. C'était dans 17 euros ça où tu joins chien méchant, où tu joins Gilbert Joseph. C'était dans 17 euros. Qui parle? Next, ça c'était mon Tolbert Alexis qui est au ah bon? Qui a arrêté Tolbert et qu'on libère et tout. M'avait dit. Chasson, on va casser vite. Sacha, son abdino là. C'est vérité absolue, oui. Tout le monde là plein qui a expliqué nous, les gens, mais ça va nous là. Il va jouer qui est là, non? On doit en démissionner, oui. Mais parce que le groupe ça a dirigé le pacte pour sénatiste, sénatiste est venu mettre l'équipe, parle. Mais moi, précisez pour nous, pour me dire, non, le pacte météo pour te voler. Le météo pour te utiliser à chaque contexte électoral. Vous suivez. Yon yon koun y'a vin ap soufri. Ok. Zam yon gen tanamel. Neg yon te koun bal kob chaque samedi. L'elte nan 117. Yo te kon fè payroll pou li chak samedi. Sénateur vin ap jere li yon fason ki pi rap ya ke jan le terrain nan 117. OK. Sénateur sénatrice kap. Li gen kontra yi 117 li pa ka tourner nan 117 pou patrouyel. Plus l'el pap kite 117 li te vol, li te vole yon revolver calibre 357.
Devin gen deyon net avait dit en face net yo yo t'es obligé tout rester dans pleine là il était campé il dit fuck lui même les nourrit tête c'était comme ça yo yo t'es connait fait braquage suivez yo t'es connait prend bête monde parfois il y a le baillon dans market yo tout coche baillon dans market pas de bagage ça fait kidnapping ça fait nèg casser banque pas de bagage comme ça sénateur sénatrice vin a baillon yon lord yo yo vin pas prendre lord OK Yo vin pa pran l'autre kounya te vin gen yon guerre qui déclaré. Pour sénateur te vin protéger tête li kounya c'est soit que yon mouri ou bien la la prison. Tête chargée. Mais pas là. Et c'est là que pral conduit yon en prison. C'est ça qui pral mener Germaine Joly dans prison. Côté que yon droit même droit t'a pral violer. Côté que quoi on parle là nous chassons. Ouais sénateur a dit le les juges là moi me pas connais le juges là mais yon te gen temps dis-moi avec plusieurs autres prisonniers que lève rive devant juge là greffier juge là avec juge là a écrit avec un téléphone dans oreille yo demandé le comment le OK nan moins que yon moi entre 27 29 jours comme ça ordonnance la sortie. Dans quelques mois, yon condamné à perpétuité. Rapide, rapide. Alors là, même sénateur a dit ça. Dans sa dit bien. Là, sénateur. Soit dit là, sénateur a dit. Sénateur a dit, il était relé. Juge là, qui a traité dossier, qui t'a libéré. Alors, dès qu'il y a information, peut-être, il dit, yon va libérer, il relé, juge là. Il dit, sous libéré, yon, m'pap sénateur encore. M'pap tout passé. C'est pas possible. Non, mais, je suis pas de juge là. Pour gérer dossier ça. Ce juge là c'est après le fin ba la sénateur comme si il condamné yon à vie pour prison. C'est pas seulement sénateur encore. Alors moi répéter ça dit ça me donne dire. Pendant yon te formé gang ça sous leadership sénateur Zokiki selon lui-même. Il était monté là avec une équipe famille. OK. Youn pas trahi l'autre. OK. Exactement, même les youn ta font erreur patrouille. Si sont étrangers au touyel. Yo yo bien traité nèg li en pile, li c'est tellement bien traité nèg li yo. Yo yo en prison. Depuis le téléphone nan men, li continue gien contrôle base là avec téléphone nan men. C'est lui même qui c'est yo qui acheté zam pour base là. C'est lui même qui acheté cartouche pour base là et j'avais dans le sénat, ils sont ces sénateurs qui ont avis de recherche derrière elle pendant qu'on est en prison. L'homme doit venir avis de recherche légal, non? Avis de recherche Texas. Dans Texas. Bah, tout comme les gars fait, ils ont même comme super intelligent. C'est lui même qui négocie tout travail, il te mettait en tenue à terre, c'est lui qui m'ont pris au braquet, qui m'ont pris au rivet sous yo. Et puis, ils ont été entrés dans le kidnapping. Okay. Donc, on va le citer dans l'autre gang parce qu'il n'a pas parlé de yon. Il était venu en contact avec un autre gang dans prison qui était puissant qu'elle à l'époque. Il vient pas rien devant yon après. Il était venu entrer yon dans kidnapping kounia même yon ça toujours tellement intelligent, il vient commencer à entrer dans une série d'institutions. Dans une grande institution dans l'état, côté qu'elle a bail une machine, l'a fait mon cadeau terre, il fait mon cadeau pile gros cob. Que yon te vin a fait pour moun kounya, yon te vin une information facile. Ok. Yon te vin une information facile, c'est comme ça, yon te vin formé base là. Prison quoi de bouc écrasé. Gen moun kal la dan yon vin changer, yon relè 400 maozo. Ok. C'est vrai. C'est comme ça. Ayon dit, tout gros chef gang yon te vin gros chef gang là, c'est dans prison. Mais là où t'as arrêté, c'est ton petit volet qui te menace, yon sénateur. Comprenez ça, Mdoulan? Ah, il dit, il n'est pas trop chef gang réellement. C'est ton petit loufou. Mais ah, il dit, mais c'est pas ta prison de condamner la vie. Donc, mon bail qui va clèvre, non? Il était menacé, un gros chef. Il était menacé, un chef de gouvernement. Il était menacé, un chef de gouvernement. Il était menacé, un chef de gouvernement. T'as dit bien, oui? Il y a un bail qui va clèvre là-dedans. Et. Moi-même, alors, bam, qui était Shelson, fin fait intervention. Et puis après, m'a ajouté ça. Un bail qui va clèvre vraiment. Pour que ça tout focus ça, pour que ça irait les juges dans le téléphone, force les juges là, fait pression sur le juge pour être capable de condamner à vie. Bon, bagay qui pas clair. Entendez, Shelson toujours qui était dans la prison, pénitentiaire nationale, qui était tendé là, yon a expliqué qui j'en qu'il fait, rive côté li. Entendez. Droit yon te violé
dans moment les pas violé dans moment arrestation parce qu'il était fait pour t'arrêter mais dans moment audition au niveau cabinet d'instruction doit être violé dans moment condamnation jugement dans moment jugement monsieur tu qu'on allait le droit être violé encore donc c'est pas défendre m'a défendre non oui même là on m'ont fait c'est lumière que n'a fait son dossier là tout monde qui font zac doit condamner mais seulement la loi dit comment pour ça faire. C'est pas un monde qui peut dire mais combien de temps pour bailler mon nom. C'est juge là. Au Sénat, tu pas capable de long juge. Capter ton dossier, c'est grave ça, il déclare ça. Mais qui juge qui est sous dossier ça? Nous pas connait. Et bien c'était comme ça. Yo yo lui même il était venu condamné et puis tout, il était continué à faire comme dans prison, il contentait l'en faire l'argent, acheter balle, acheter matériel pour il était augmenter gang ni et puis tout faire comme. Yo même petit on va dire ta gagner. OK. Yo te toujours sénateur Zoki qui court plusieurs fois pour Yo sénateur plusieurs fois pour Yo sénateur plusieurs fois Oui sénateur a gagné raison de position tout oui en face parce que ville t'est venu menacer Non là ouais sénateur de payon yon en tout oui, c'est normal ville t'est venu menacer parce que moi même yo kembe moun déjà pour yo tuer Tandis oui Yo relé sénateur parce que moun nan se fami an komen yo bal chance. Ah bon? Gen yon moun yo te kembe pou yo te tuel, oui, yo met ton manchette en bakoul. C'était yon te royal for opération. Moun yo jwenn nan ki te moun sénateur et sénatrice la nan zone Gantier, les fami yon tout parce que moun nou gen connexion, yo gen bon lien. Connexion familiale. Yo gen bon rapport. Moun yo te jwenn nan, moun yo te kouri. Moun yo jwenn yo kembe a, c'est ton ti moun. OK. Yo met ton manchette en bakoul, yo fait photo le voye ba yon. Yon gade li di malheureusement majorité fami mission et famille. Il dit la guerre. Donc Zoki qui avec le sénateur Jean-René Sénatus avec Yon Germaine Yolia ou clairement dit c'est famille et base ça on parle de l'éducation Maozoa à la base c'est famille qui formé c'est des monde même famille bon, oui bon moi même tout ça m'a dit moi pas monde la pleine c'est prison te mène même dans prison yo qui raconte yo non m'a parlé qui parle dans prison bagaille qui yo raconté dans toute prison dans toute prison dans toute prison devant tout le monde et puis tout m'a pas un petit m'a tout venir avec un autre dossier si nous permettre moi bon si c'est la personne qui s'est chance il pas gagner pour yo sale non li donc il pas gagner chance c'est pas seulement bon côté yon c'est pas premier prisonnier qui est encore là ça qui encore gagner ancien ministre sport qui s'est monsieur Evans Lescoufleur qui parlait de lui tout en prison là on capable citer des noms que nous t'étais moins parce que là nous t'étais dans greffe prison pénitentiaire non pas tant pile c'était moi même Gelson Sanon c'était Clifford H. Brandt c'était Woodley Etea alias Sanson la familia c'était Robinson Pierre Louis et secrétaire barreau avec Robinson. Ancien commissaire gouvernement pour DPA maître Michel Vigil Michel Vigil oui Moi parle de combien de monde qui était là que ancien ministre t'a parlé yon abus vérité. Que sénateur Zoki qui t'a fait li, côté que t'es gon dossier corruption t'a enquêté sous ministère que lui même t'a dirigé. Yo relèl, li allé, donc yo retourné invité, yo décidé pour arrêter et bien les avocats al rencontrer avec commissaire et bien malheureusement commissaire t'a dit pour ministre là s'il pas ka relèl fait madame ni relèl. Et bien malheureusement pour le patal en prison, c'est $10,000 américains le débat. Donc, ma parle, c'est pas moi qui dis le tout. Qui est-ce qui débat $10,000? C'est madame Evans Lescoufleur. Qui est-ce qui débat, Elia? Qui débat, sénateur Zoki, qui le commissaire gouvernement à l'époque. Oh. Ça veut dire que c'est chance qui va gagner pour le salon, non? Vous comprenez? Madame ministre, c'est Jean-René Sénatus qui est commissaire gouvernement, $10,000 pour le patal en prison? Oui. Donc, monsieur Telfon, malheureusement, Haïti, son pays, d'après ça que moi-même apprendre. Yo te voye un pénitencier national pour te finir avec. Oui. Moi finalement rendre moi compte que me finir plus fort. OK. Et gon pile dos, gon pile information venir. Moi me finir plus fort parce que gon paquet moun, surtout dans appareil justice là, que en pile moun prend pour moun honnête mais moi apprendre connait yo. Malheureusement, population en ignorance, yo pas connait paquet bagaille. Majorité moun te gagne pi bel profil yo. C'est eux-mêmes qui pis dangereux. Pis criminels, exactement, c'est ça. Vous suivez. C'est cancer qui est, mais malheureusement, en pile monde, sous ta présente, il y a un tel son mon juge, un tel son mon commissaire gouvernement, mais avec expérience pénitentiaire, moi, ouais, les ovignes avec tablier.
Moi connais ça yo fait. Vous comprenez? Merci Jason. Moi même moi pas vouloir monter sur monde, moi juste parler pour pays là parce que nous bon pays qui pour nous toutes. Non anglais. Moi pas dit c'est la terre qui coupable, mais moi dit qui ça yoyon. Ou dis ça qu'on dit ça yoyon qu'on a dit. Yoyon habitué crier, yoyon qu'on reler le téléphone en présence moi. Yoyon qu'on menace elle. Li kon retourne yon appel, li kon tout numéro de téléphone yon. Gardez bien. Hein? Yon se de qui te gan pile téléphone nan men nan prison. Se de te akon tout numéro yon. De temps en temps, les enfants mi pot, le pot el plet, li kon rele yon pou menace yon nan prison an tout. Li pe pou yon patou et famille de yon li même a bere misye onje pou l capable libérer. Parce qu'il connaît la façon gouba. Ça veut dire que tu es toujours en contact. Donc, merci. Et la justice fait lumière sur ça. Moi, ça y est, Miami Herald, Piga Moun mette en question Atik ça. Donc, Miami Herald, très bien frappé. C'est Gon Moun qui t'a menti, c'est Tayon, mais c'est pas premier côté le fait mentir. Mette au courant de mentir ça depuis 2014-2015. Merci à Pile Chelson Sanon. Merci à Pile la gueule là. Voilà, c'était Chelson Sanon qui était à fait une intervention sur le dossier. Et chef gang Katsama Ozoa, et qui c'est Jermaine Joly, alias Yon, qui est finalement, et pour lui condamner définitivement, 24 juin, qui a venu là, et Verdi Clap sorti, mais déjà qu'on est condamné, monsieur, pour le passer toute ville, en dit en prison, aux États-Unis d'Amérique, parce que monsieur, il y a un pile charge qui a retenu contre lui, et un pile charge, et monsieur fait ouvrir, mais définitivement, monsieur, et entravé. Monsieur entravé, c'est compliqué dans mes messieurs. C'est vraiment compliqué dans mes messieurs. Et. Ok? C'est compliqué dans. Et je suis capable de dire non. Et dans mes messieurs. Mais parlant de Jean-René Senatus, c'est la plus compliqué pour Zoki qui toujours. Parce que ça que nous jouons là, il y a une possibilité pour que Senatus t'ava arrêté. Et parce que gang Katsama Ozoa li tellement et gagné des bagailles que la justice américaine reproche yo tellement fait ressortir ça américain abus, yo tellement impliqué dans ces bagailles, yo vinn remonter sur monde qui était bay premier âme, deuxième âme, premier monde qui était de connivence avec et gang ça avant que le Katsama Ozoa. C'est ça qui cause ouais non Zoki qui fait bruit que le fait a, et ben ça qui arrivé nous ouais que yon le et pour des CPJ arrêté ancien sénateur Zokiki et puis par la suite ou t'a voyé un petit avion sous piste aéroport international Maïgatéan pour t'a extra des sénateurs là vers les États-Unis d'Amérique. Ça il y a pile possibilité, mais nous même nous gti l'océan mais nous déjà nous pas qu'à dire plus, et en plus de ça tout nous pas qu'à juger et condamner sénateur tout. Faut nous connaître ça, parce que si yon c'est sénateur qui t'a fait arrêter. C'est Senatus qui fait condamner yon pape jamais mais Senatus. Du tout. Mais qu'on est capable de questionner tout qui ça qui cause Senatus te gen focus ça sur yon. Comme nous tant des interventions Chelson non, pas besoin faire plus râler, mais peut-être nous plus ou moins gagnons idée de ça qui passe là. Voilà. Et on nous rentrer dans ça qui est pour avec installation et nouveau directeur général la police nan qui c'est Normil Rameau qui installé et hier qui était 21. Nous prenons le temps d'intervention toute autorité yo, nous pas quitter volo ça parler lui-même en dans des ministres justice là, nous retirer la sauter France LB parce que sans ça ça nous pas bal parler. En nous dans des ministres justice là et qui c'est maître Carlos Erkel qui prend la parole pour te parler et présenter nouveau directeur général la police qui s'est nommé Rameau. En dade, M. Carlos Erkel pour nous traverser dans le premier ministre Gary Koni et par la suite, et président conseil présidentiel ou bien coulève cette tête là. Et pour nous avancer dans de l'autre point qui nous était pour nous aborder dans l'émission ça. En avance pour nous tendre avec un peu d'intérêt. Parce que me dit nous très bien, il y a une possibilité pour Gary Koni font bagay. Mais nous même haïtiens nous ka aider, nous ka coincer là pour nous faire le fond bagay. Parce que Haïti gagne pile chance pour le moment. Oui.
Haïti gen possibilité pour disparaître mais il gen chance tout pour pays apparaître net. Ça veut dire que ça. Ou pas gen sénateur gang nan là, ou pas gen député gang nan là. Blanc sanctionne un paquet, blanc dit ou pas gen doit parler et ou pas ka parler. Oligarque corrompu, blanc sanctionne un paquet dit ou pas financer pièce mouvement pour craser président pays a, yo pas ka faire. Ça veut dire que ça. Si gars reconnaît gen volonté, la gon chan libre devant et puis juste craser coulève cette tête là seulement pour être seul comme premier ministre avec peuple là, mais de fait ou a dit pour diriger pays a pour mener pays a bon port. En entendez et intervention ça et puis n'a pas avancé dans le chapitre qui est intéressant. Il a fait ses classes à la PNH, plus particulièrement dans les services de renseignement de l'institution. De l'avis quasi unanime, l'on se plaît à reconnaître la minutie, la méthode et la rigueur avec lesquelles il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont, j'en doute nullement, ces qualités qui l'ont recommandé pour diriger à nouveau la PNH, après qu'il eut gravi tous les échelons de la hiérarchie à la satisfaction de ses pairs et de la société. Son retour à la tête de l'institution est avant tout la reconnaissance de ses éminentes qualités de leadership qu'il saura mettre à profit pour faire retrouver à la PNH son identité et son âme de jadis. Ensuite, son sens du commandement et de la gestion pour insuffler à l'institution qui parfois tend à se disperser vers l'objectif qui a présidé il y a 29 ans à la création de la PNH. Une institution de service public au service de la population, apolitique, neutre, impartiale, dont la devise reste et demeure protéger et servir. Une fois de plus, monsieur le directeur général AI, vous venez de bénéficier de la confiance du Conseil présidentiel et du gouvernement dirigé par son Excellence le docteur Gary Conny dans une conjoncture encore plus difficile avec des défis encore plus grands. Et ça, c'est pour le ministre là qui t'a passé et qui t'a pris mettre avec le nouveau directeur général de la police là, qui s'est nommé Rameau, et document ça qui c'est lettre de nomination, du moins. Situation difficile. Et document qui ça, ça. Là, maintenant, on attendait pour le premier ministre là, qui c'est le docteur Gary Conny, qui te prend la parole dans le moment et séance de et installation ça. En avance. Maladie a grand pile complication. C'est bon en science, médecine scientifique à médecine feuille, qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. Un bon docteur, ça n'y est pour nous faire, c'est diagnostic là d'abord. Fait examen yo, tout de suite, après pour qu'on qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade là. C'est un dialogue avec concertation, nous y avons fait choix. Monsieur Normil Rameau, pour le directeur général, pas intérim la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, c'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir, que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti, et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la Police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaure un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État,
personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et des autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, monsieur le directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. Parole hypocrite. En ces quelques semaines, je travaille à vos côtés. J'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, monsieur le budget. Monsieur le directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel et la logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police,
mon moment à vivre là pas sous-estimé. Mais par contre, depuis deux semaines moins là, effectivement, moins gain le sentiment que n'a pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis moi-même m'a suivi politique, des entités qui généralement a combattu une lotte arrivé en Tanyo, y arrivé font compromis son type de gouvernement de transition, y arrivé en Tanyo son premier ministre, y arrivé en Tanyo son gouvernement et je dis à n'arrivé en Tanyo son chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Me senti un mouvement et me senti que la population commence à reprendre confiance là nous. Son gros responsabilité lié. Qu'on est grand pile là nous cap goumé depuis plusieurs années. Qu'on est grand pile là nous cap fait un pile sacrifice depuis un pile année. M'a demandé nous kembe ferme avec nous. Kembe ferme. Nous pas loin. Nous pas loin et n'a avancé. Nous compte en pile que m'gain DG a accepté responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer question insécurité à droite. Nous pas perdre une seconde. Nous pas perdre une minute. N'a commencé travail tout de suite pour nous voir qui ça nous a fait un pour nous renforcer la police là pour nous battre la police là toute salle besoin pour faire travailler pour nous rassurer policiers pour nous rassurer famille policiers tout qui accompagne le travail ça pour nous garder comment on a intégré l'armée mieux dans le combat pour nous mener comment ça me senti et puis hier m'a suivi intervention ça bon côté nouveau et alors et premier ministre là et comme si gomme senti gon la meya comme si gon yo très prudent nan parler de intégration la meya dans affaire bataille contre insécurité ya premier senti pour garder comment a intégré la meya comme si franchement bon comme tout naturellement la meya la meya veut dire exactement ça veut dire ya et l'a pas eu la meya veut dire exactement moyen solide est-ce que yo pas pour ba moyen la meya moyen. Mais pour qui ça comme si m'a de la médaille pas ca opérationnel dans bataille contre gang et puis comme si gon forcing pour équipe ti voler sur côté sorti dans pays Kenya vienne débarquer là tout sale tout senti fort tout voler parce que pas gagner pour venir ça pour venir faire c'est à venir chercher là même qui ça venir régler moi franchement m'ta ramener gon idée de ça nèg ça venir régler nous gè la médaille là nous capable moyen seulement nous besoin en tant PM là une population comme partie prenante de effort n'a fait pour nous faire toute entité l'État et jouer Wallio, pour nous reprendre zone métropolitaine. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir, partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr. Gary Conin, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui trahit la population. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividales femmes actives filles qui violaient. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittaient Kayo, qui décapitalisaient. C'est économie pays, paysans qui finissent de pas finir.
c'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'isla Kalong, nous accepté retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaître. Nous connaît tout le temps, c'est pour action. Nous pas gain ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener combat. Et c'est ensemble, n'a qu'à porter la victoire. Sem, frem, dame policier, yo, moi sorti dans un trail, la police, là. Li gen 29 l'année. Moi gen même quantité l'année ça en dans li. Moi konnen souffrance yo. Moi vive mauvais condition yo. Sacrifice la vie nous vin pi lou chaque jour. Bandi ak criminel pa ka continuer touye nous, rache nous ak boule nous Jean Ovlé. Mais moi ça qui déjà tombé pa doué jamais effacer. L'institution la police là. Famille yo ap jwenn support qui est loyauté qui pi gros sacrifice que un citoyen ak citoyen ka fè pour pays. Sa ki blessé, handicapé ap jwenn accompagnement yo mérité. Nous jwenn assurance bon côté autorité l'état central yo, président conseil de transition, premier ministre là. Yo d'accord déjà et yo gen volonté pile volonté pour yo accompagner la police là. La police là pral joine en pile moyen pour lui faire travail li. Nous bat bravo pour autorité centrale yo. Nous même nous tout bat bravo pour président conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même condition travail ak la vie policier yo doit changer. Améliorer c'est pral yon nan pi gros choix la bataille nous. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre Dr. Gary Conille, le chef du CSPN a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélisme. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Très bien. Seul le travail acharné le rendra atteignable.
et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Voilà, et c'était docteur Al-Salor, c'était nouveau directeur général PNH, qui c'est Normil Rameau, qui était président de Discoli dans le moment installation. Et il y a un peu de monde qui dit que, alors, Normil Rameau, monsieur frappe fort, monsieur plus qui déterminé, oui, fort, monsieur déterminé, parce que monsieur qu'on est finalement en face qui s'accueille là, mais je dis Normil Rameau, et ça gagne là le fragile en pile, vous comprenez ni? Et les plus difficiles qui sont quittés. Ça veut dire que au grand pile combat pour qu'on fait. Au grand pile combat pour qu'on fait pour que nous capables aider la police là. La police a ganglé, gangsterisé pourri. M'vlo font titan des parties ça de Gino Milramo. Et pour comprendre qui était la police là. Barbecue semble décider ba yon ti coup de main. Barbecue cité quelque nom. Là dedans de nous baba. Nito, salut Nito. Nous va dire moi que t'ai dit. Et m'a dit un gros bonjour. Un gros bonsoir à chaque de moi qui va regarder vidéo ça. Et nous songe m'bagé trois, m'gè tout ça quand 3 ou 4 jours depuis qu'il me dit m'a fait silence pour ne pas t'entendre encore. Mais matin m'oublie j'ai fait vidéo ça. Nous remarquer très matinal. Et je dis c'est jeudi 20 juin 2024. Nous sommes très matinal. Nous sommes allés à Saïwatea. Je fais une vidéo pour l'histoire et pour la vérité. Je fais une vidéo pour moi pour un journaliste qui cache quoi à l'étranger, qui dit qu'il y a un pays à un coup de main. J'ai eu dire mentor. Pas de qu'il y a un coup de main à bail. Au contraire, pour nous bailler un coup de main, nous cap détruire et nous cap craser. Nous bailler vie information tête en bas. Bon pour exemple avec nous. Si nous avons un monde qui est dans le ghetto, on a bon 50 dollars, 100 dollars, fait le cadeau. Et normal, le monde a cherché information pour le bas. Vous voyez quand je suis fait vidéo là? Pas de monde qui a autorisé la vie là, ce n'est pas un gaz qui est le vin là. Ça veut dire que les gens qui ont réglé dans la zone, les gens qui ont habité dans la zone, même qu'on est le bas qu'on est. On a un pour les gaz qui est dans la base là, côté mien là, sous pas de grade dans la base là. Ou pas ancien dans la base, on va arriver côté mien là. Là, il dit même les kazam dans base là, il y a information qui va être réglée le bakabao. Et il y a l'autre bagaille qui va régler, c'est nous deux, nous trois, nous quatre candidats côté n'a réglé là comme chef et sorti nous décider mettre tel bagaille qui fait. Pour faire peuple haïtien qu'on est, un groupe monde qui propose y a payer des intérêts personnels. Même si tu as des nègres, tu n'as pas besoin de job dans l'état. Même si tu as des nègres là et lui-même et dans pays libre je venir mentir, derrière retourner dans pays là, gon l'autre objectif qui est caché d'elle. Les gens font non pour retourner dans le pays. Ils ont intention pour venir candidat, pour venir sénateur. Vous comprenez? Ils ont intention pour venir ministre dans le pays. Bref, et pas de ça, je parle. Je réponds ça parce que il y a un journaliste. Je ne sais pas si c'est influenceur, il va journaliste. C'est ça, Canada. Moi-même, non, nous sommes cité. Nous-mêmes, nous avons tout le barbecue, pour le boucan dans le bouche. Moi-même, non, nous sommes pas cité. Et parce que valeur, nous sommes pas cité. Nous toute valeur, ça, moi-même. Dat n'a fait interdire à d'autres pour le boucan nécessaire, voler magi, révolutionner la cathédrale. Nous ne sommes pas bridging. Mon objectif, m'a goumé, mon bouge ça m'a goumé. Ok? Et ça fait chaque jour, je fais un travail mental, je fais un travail psychologique avec les gens qui ont des parce que si je fais un bataille pays, si je fais une révolution, je vais faire des bagages qui ne sont pas bons. Je vais m'entrer dans le sujet. Monsieur Simoyo, je vais monter ça. Je vais mettre le téléphone dans la tête parce que je vais vous montrer le peuple haïtien sur vidéo ça. Monsieur Simoyo, peuple haïtien, regardez dans la police, regardez des lynchers ça quand même là. Et Vladimir Saint-Hilaire, alias catalogue. Monsieur Simoyo, fait inventaire dans base nous. Dans inventaire n'a fait dans base nous. Dis-moi si nous jouons des lynchers ça. Parce que des lynchers ça yo, c'est Vladimir Saint-Hilaire qui vend moi. OK? Et nous avons fait une décision pour nous citer aucun monde qui compte vendre mes âmes. Parce que raison, l'elle est arrivée devant un tribunal sérieux pour mal dire monde qui compte vendre mes âmes. Mais en attendant, pour les petites bêtises en Haïti, pour les gens qui sont intellectuels français, nous avons un rien et que nous avons lundi avec nous. Ok? Et nous avons un gaz toujours. Nous avons un gaz toujours. Pour ne pas être dans la vidéo.
pas pour pas être dans vidéo là. Moi même gère sauter pas quitter visage nèg moi pas être dans vidéo parce que après vie ça y a bon l'autre vie. Après vie ça y a bon l'autre vie. Parce que pays a pas carré comme ça, faut que pays a changé. OK. Monsieur Simon, j'aime t'a dit nous. Délin chez ça yo. Gardez dans base d'eau. OK? Chef Simon. DCPA. Gardez dans base d'eau si je viens délin chez ça yo. Et dans base Simon rentre bal prend yo et police me détruit me prend yo. C'est Vladimir Sentiler qui vend moi. Parce que me pas dénoncer mon encore et parce que policier ça yo prend corps pour assassiner moi. Moi dis nous ça. Soit m'a fait pas m'pas jamais citer nos série de policiers. Et m'daye me pile policier comme ça, m'pas jamais citer non nous. Monsieur prend quoi blanc dans mes grand nèg, sorti dans regarder la police pour y venir agent qui pi bas. Yo prend quoi blanc mes grand nèg pour assassiner. Yo prend quoi blanc mes policiers pour assassiner. Ça les ont pas qu'à faire tout business ça avec moi, j'ai accepté prend quoi. Ou prend quoi pour acheter ça moi pour moi, ou pas jamais bon quoi bon. Ou pas $7,000 américains. Regardez hier, zone nan bien propre. On y prend chaud dans 6 mois, vient tirer dans zone nan. M'bral montrer photo moto policier. M'bral montrer photo machine policier à côté pour me détruire. Et m'bral citer nos policiers tout parce que policier c'est bon soldat Gabriel li. Et m'mande Gabriel excuse si l'ouem citer nous dans vidéo parce que m'ba citer nous en mal Gabriel. OK? Délin chez ça yo, c'est Vladimir Sentiler alias catalogue qui vend moi yo. Mais délin chez yo là. Gaz ça on a gardé devant là tout ça oui gaz yo Vladimir Sentiler pas vend moi yo ça yo qui est ce qui vend moi yo Vladimir qui moun qui vend moi yo Vladimir Sentiler qui est ce qui vend moi ça yo gaz ça yo qui moun qui vend moi yo les moun parler autant de vieux nom tête en bas si voler Canada pas capable voler vrai sous tenir institution bon Dieu peut être en photo dehors et même j'en tapier. Ou tap vol, ou tap tout bagay. Parce que et l'argent mal ou fait. Ou pas ou fin riche. Ou fin riche sur les réseaux sociaux là, sous dos bandit. Qui est-ce qui vend moi ça yo? Vladimir pas ou vend moi ça yo? Ça yo. Et pas ou vend moi yo, Vladimir Sentiler. Qui est-ce qui vend moi yo? Et pas ou vend moi yo? Ok. Ça yo, c'est Vladimir qui vend moi yo. Kounye yo, bam chache. Bon policier Simon. Qui est le canouté. Kanoute pa jam vann mwen zam. Kanoute pa jam vann mwen bal. Mais kanoute c'est soldat ti Gabriel. Exactement de Gabriel excuse. Kanoute et ti moun cité soleil. Et ba met li net mon konn gran moun a prend l'âge pou m ka chercher ba yo montre nous. Bon mal chercher ça ou montre nous. Bon chercher ça ou montre nous. OK. On nous parti là. Nous parti là. Et bah comme comment ta faire nous faut me barrer numéro téléphone moun qui voye le ban moi. OK bon moi c'est même comme ça. Ka nous té moto ça et pas moto lié. Moto ça ka nous té. Et pas moto lié, ça c'est dans base Simon oui. Catalogue té fait photo moto et voye ban moi. Ban moto on l'autre photo encore ka nous té. Mais ni ka nous té. Moto ça est pas dans base Simon. Photo moto ça va pour canouter. Et pas de base Simon, mais l'autre photo toujours. Non, mon cher, je vais après cette vidéo à mettre, je vais faire le bout par bout pour le monde entier la vérité à mon cher. Mais canouter. Photo ça n'est pas moto, je vais montrer machine dans tout. Canouter, machine ça, et pas machine nous. Machine ça, et pas machine nous. Ça n'est pas de base Simon, canouter. Ça n'est pas de Simon, yoé. Ça et pas dans Simon yo et pas dans Simon ça yo m'a expliqué photo moto ça avec photo machine non Vladimir Sentiler catalogue moi chaud mon d'enragé ou besoin touim ou pas touim ou faire moi on regard oui ou prend couverture la police pour attaquer moi m'donne un pile mon a dit que ça est dans corridor caché m'bon défi. Mettez plus à tes sang et pas dans char. Fais quoi avec moi? Quoi quoi? Nous point A, maintenant point B, et puis nous on a marché pour l'autre. Pour qui est-ce qu'a pris l'autre avant? Bon, m'explique le phénomène moto avec phénomène machine. Kanoute, Vladimir Sentiler catalogue, c'est soldat Iska. Ok? Kanoute, Simo,
c'est soldat Gabriel. Et moi de Gabriel, moi Gabo, moi excuse moi nous regarder vidéo, m'a dit ça en mal. Canouté catalogue ba nous antenne sous canouté. Canouté va tendre vidéo ça. Est-ce que chaque dimanche ou pas venir boire soupe joumou dans Delma 18 là? Ou toujours camper ou acheter soupe joumou dans Delma 18 là? Le catalogue te voye photo moto ou ban moi. Il te voye photo machine dans ban moi. Et pour nous te calo venir acheter soupe on dimanche. Et en retard, nous arrivons. Pendant que nous achetons soupe là, à peine nous sommes allés, nous même nous arrivons en retard. Parce que les âmes de dormi belé koui. Depuis le samedi soir, le catalogue est en Dibre Maïska. Dans demain, si Dieu veut, dans dimanche, nous avons acheté soupe dans 18 ans. Moi même, je suis trois dormi belé kou. En façon, les canoutes viennent acheter pour même Maïska tout monté. Pour nous venir prendre canoutes. Mais moi même, je dis ça, mais la vérité, je me mentis. Ah, si je suis mort dans 18 là, il y a plagué chaye là sous dôme. On quitte monsieur fin acheter soupe là et puis on prend monsieur pied devant ou même à bouche tu pour nous c'est pas rien bail comme ça mon cher rien bail comme ça mon cher depuis nous bail bail monsieur bois demain quitte monsieur démarrer la machine dans pas gêter prendre ça vraiment tu m'a fait sous mais c'est si moi me dit nous ça on pas perdre nous même pas en affaire avec nous tout on pas perdre nous même pas en affaire avec nous pas occuper aucun nèg qui prend couverture Simon pas occuper aucun nèg qui prend couverture la police pour qu'il prend coble même pour qu'il vienne assassiner. Ok, ou même sortir dans le silence, mais je vais me faire silence. Parce que depuis ce moment-là, nous avons dit, oh, nous avons toujours parlé, nous avons cité nos gens qui ont nos âmes, nous avons cité nos gens qui ont vendu nos balles. Nous avons cité nos gens qui suivent le fait. J'en vois qu'ils suivent le fait. Les gens qui ont été grandis, ils ne sont pas bons pour nous. Nous avons commencé à commencer à déraciner. Mais je dis à mon monde, nous avons déraciné. Nous sommes loyaux, nous sommes sincères. Nous disons ça. Moi loyal envers tête moi loyal envers pays ça. Je dis à mon après les bandits après les gangs yo connait pas tant plus passé nous. Nous dans mitan nous pas connait pas tant moi. Bande bandi à uniforme meni, bande bandi à micro. Nous même bandi à micro mettre poser nous à penser pour nous. Et nous penser pas penser pour nous. Ça fait nous peine. Nous tout à mettre focus sur moi pour assassiner maintenant. Peuple haïtien encore fois moi mais nous en pile. Nous pense aller déjà. Tout monsieur vivant ensemble yo. Qui gain police qui fonctionne avec nous yo. Si police on ba en affaire avec eux, si police on ba un dénonciateur. Moi cité le parce que nèg c'est l'argent on prend pour assassiner pendant le fin voler $7,000 américains, les pichon devant banan pour le touyer. Mais ni mais vérité a. Mon ka parler avec nous en pile. Pays d'Haïti moi en pile. Jimmy Chéri c'est barbecue. Vle pas vle. Pays a pas ka ça révolution en fait quand même. Révolution tout le temps. Voilà, et naturellement c'était Jimmy Chéri alias barbecue qui nous t'a tendu même pas cette vidéo ça. C'est pour ancien directeur général de la police là Normil Rameau. T'étendez parce que vous venez là, faut qu'on comprenne ça que daté. Faut que nous diagnostiquions et maladie pour nous ça la besoin comme médicament. Ou pas qu'elle monte sous lui comme ça. N'a pas tourné. Merci un peu tout le monde. Rendez-vous cassé pour l'autre édition. Kembe là.